quatre absolument prioritaires qu'on a dans la justice guinéenne. Et j'ai surtout insisté sur l'axe 4 qui est la lutte contre l'impunité. La lutte contre l'impunité parce que ça touche tous les citoyens de ce pays. Le Yomio, le Bakundara et le Zéric Aboké. Et sur ce plan, ça touche la meilleure civile française. Sur ce plan, ça touche l'exécution des décisions. Sur ce plan, ça touche la vie quotidienne des citoyens. Donc, je vous insister sur ce point. J'ai insisté sur la formation. J'ai insisté notamment aussi sur le conseil de la magistrature, sur la discipline des magistrats. Il faut rassurer les citoyens. Il faut que les citoyens sachent qu'il y a une justice indépendante et guidée sur laquelle ils peuvent compter. Alors, au niveau du budget, j'ai plaidé pour l'insuffisance des budgets alloués, et nettement alloués. Et j'ai dit que l'état de droit ne se construit pas sans une justice assez performante. Et la performance suppose donc que le budget soit amélioré. J'ai également dit qu'il faut qu'on ne soit pas trop dépendant de l'extérieur, des partenaires de développement. Là, je pense que les députés ont pris acte de ça et j'espère que certains points de vos budgets seront réfléchis à la hausse. La position de la Guinée, c'est la position de l'Union africaine. Que je sache, l'Union africaine n'est pas question que l'Union africaine se retrouve à ce pays. Moi, je plaidais pour que la CPI améliore son fonctionnement, que la CPI poursuive également les dirigeants occidentaux d'autres continents de l'Afrique. Donc, on va lutter vers ça, mais le cœur de la Guinée ne se pose pas. Et vous avez dit ça à la fin. Bien sûr, l'affaire du 28 septembre ne permet pas de retirer la CPI. Lors de l'affaire du 28 septembre, la Guinée a signé et ratifié la CPI. La Guinée a des bonnes relations avec la CPI. Donc je ne vois pas pourquoi la Guinée suivrait d'autres États qui sont partis pour des raisons nationales et ils ont quitté la CPI. Donc on restera membre de la CPI, on suivra la position de l'Union africaine et une position de 26. Merci.